Mais on s'en est sorti. Ouais. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 14 de The Last of Us. La moitié de la partie se fera tranquillou et l'autre partie sera un peu plus intense et je vous laisse découvrir pourquoi. Hé, regarde ça! Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Trouvons un moyen de l'atteindre. Et toi, comment ça va? Ben, comme d'habitude. Quand j'étais avec Henri, j'ai descendu quelques infectés toute seule. T'aurais été fier. Ouais. C'était plutôt intense tout à l'heure. Ah ouais. Carrément. Ah. J'ai une amie, Marlène. Je lui ai demandé de me conduire au Luciole. Vous vous entendez bien, on dirait. Ouais, enfin. C'est moi qui commande. J'ai pas raison, Joël. J'arrive même pas à imaginer. C'était pas une bonne idée, finalement. J'avais 5 ans quand le cordyceps s'est apparu. Mes souvenirs sont un peu flous. Mais... je me souviens qu'on vivait dans un quartier comme celui-là. De quoi tu te souviens? Les barbecues. Nos parents, ils organisaient d'énormes barbecues et ils invitaient des tonnes de gens. Attention, tir à vue. Les gens ont l'air accueillants. Les premiers mois après l'épidémie, il y a eu des pillages. Tout le monde est devenu parano. Tu t'en rappelles, Joël? Les gens se barricadaient chez eux. Et puis, les provisions ont commencé à manquer.
C'est là qu'on voit de quoi les gens sont vraiment capables. Je te conseille de pas les approcher de trop près. Ils sont pas comme ceux de la zone. Ils sont sauvages. Qu'est-ce que c'est ? Oh. C'est un marchand de glace. Un marchand de glace ? Ouais, c'est Henri qui m'en a parlé. Il vendait des glaces dans le camion. Non, j'y crois pas. C'est vrai, Joël ? Non, c'est vrai. Le camion passait dans le quartier, avec cette horrible musique à fond, et tous les gosses sortaient en courant pour lui acheter des glaces. Vous êtes en train de vous foutre de moi ? Non, je te jure. Waouh, ton époque était bizarre. Je te l'avais dit. Enfin un établi qui va me servir à quelque chose, vu que je viens d'avoir le shorty. Ça fera très bien l'affaire. Alors ici, vous avez un manuel d'entraînement. Est-ce que ça va ? Ouais. Ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Fais-moi monter. Attention. Trouver un truc ? Garde. Merci.
Ellie, j'ai encore trouvé une de ces BD. Voilà, ce seront les dernières notes de Ish. Hey Sam. Oh. Mince. À toi. Ok. Je lance. Ouais. Et bim, je suis trop forte. La chance. Non, c'est pas vrai. C'est que de la chance. Elle était là. Ouais, on dirait bien. Comment on va les retrouver? Je connais un gars. Mon frère, en fait. Il faisait partie des Lucioles. À ce que je sais, il était dans le Wyoming. On y va, on le retrouve, et on trouvera les Lucioles. T'en dis quoi, vous en êtes? Ça m'a l'air d'un bon plan, ouais. Super. Vous avez rien de plus déprimant à raconter? Allez, une petite blague. C'est quoi? Tant pis pour vous. Vous voulez une blague sur une quiche? Oubliez, elle était franchement tarte. J'ai pas compris. Ouais, moi non plus. Alors là, j'ai pas réagi assez vite, mais si j'avais
été plus rapide, j'aurais pu avoir les blagues d'Eli. À terre! Enfoiré de sniper! Qu'est-ce que t'as vu de plus loin dans la rue? Très bien. Restez tous ici. Non! Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez diversion. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Hey, sois prudent. Alors, essayez pas de la voir avec votre fusil sniper, ça marche pas. Hein. Vous êtes sur notre territoire! Ouais, planquez-vous dans cette baraque, même si ça sert à rien! Chopez-les, les gars! Prenons l'autre côté! Chopez-les, les gars! Attention! Laisse tomber, mec! Attention! Attrape ça! Faut l'encercler! Allez, allez, finissons-en. Attention. Attention. On se retrouve. Tu vas brûler. Alors là, je vais essayer de passer par-dessus la palissade et de contourner le sniper. Et me demandez pas ce qu'il y a dans les autres maisons en face, je sais pas du tout. Alors,
Où est-ce que vous allez comme ça? Chopez-les, les gars! Tu pourras pas toujours te planquer, tu sais. Couvre-le. Alors on termine cet épisode, après ça, ce sera terminé et on se retrouve pour le barrage.
Joël. Comment c'était tendu? Tout va bien, Sam? Ouais, ça va. Merci, Joël. Hé, hey, regarde ça. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam! Henri! Tout va bien? Ouais, ouais, ça va. Vraiment? J'ai dit ça va. Allez, allez! En route! Ouais, je crois. Vous êtes pas blessé? Non, non, ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez. On y va. Tu déconnes? Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire... C'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour? C'était comment? C'était bien. Super bien. Bien? Non, mais tu l'entends? Allez, mec, quoi? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai vu en rêve. Ok. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Ok.
Ben... Dors bien. Pourquoi t'as jamais peur ? Qui t'a dit ça ? T'as peur de quoi ? Voyons voir. Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi ? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients ? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps ? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok ? On va s'entraider, et deuxièmement... Il ressemble peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai ? Ça dépend des fois. Enfin... J'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas. Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh ! Avec tout ça... J'ai failli oublier. Tiens. Si c'est pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez. Je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein ? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam ? Sam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, il se transforme ! C'est mon frère, putain! Et merde! Merde! Ellie! Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Sam! Henri! Ellie, bouge pas. Henri! Qu'est-ce que je fais? Sam! Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord ? Sam ! Ok, ok, du calme. C'est ta faute ! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute ! Henri ! Henri, non !